Bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on se retrouve pour la suite de la campagne américaine d'Ultimate Admiral Dwayne Nov. Voilà, on est en janvier 1939, donc on a 11 ans. 11 ans avant que la campagne ne se finisse. On ne gagnera pas, on sera pas au top du top, je pense. Mais il y a moyen quand même qu'on fasse quelques petites choses, je pense. Alors, si on regarde en ship design, qu'est-ce qu'on a qui flotte toujours? On a toujours des classes californiennes, New Mexico, Pensacola. En fait, on a des croiseurs légers et lourds qui sont dépassés, les plus récents qu'on ait fait. Sans refit, sont de 1930. Donc, là, je propose un truc tout con. On va refaire... Il va y avoir, il y a le San Diego et San Francisco, les classes. Ok. San Diego, il a eu des refits, donc ça va. Le San Francisco, lui, il a eu zéro refit depuis le début. Donc, je pense qu'on va refaire... Le Wilkes aussi a eu des refits. Non, le Wilkes a eu des refits. Pas le Wilkes. Donc on va peut-être... On va faire un nouveau type de destroyer. Le Roosevelt, il a eu des refits, oui. Oui, il y en a eu. On va faire donc... nouveau croiseur de bataille. Nouveau croiseur lourd. De deux types, je pense. Et de nouveaux croiseurs légers ainsi que nouveaux destroyers. Donc, beaucoup de boulot, mais vu que je commence à être habitué de toute façon à faire des navires, ça devrait aller relativement vite. Voilà, comme ça, on va être un peu plus zen, quoi. Voilà. Modern Destroyer. Standard, leader. Destroyer avancé, compact ou large. Alors, si je prends le large, c'est ça. Je pense que... Alors, 36 nœuds, 37 nœuds, 35-5... 36-4, ce sont les standards. Mais il a une meilleure flottabilité. Donc je pense qu'on va prendre les standards. Voilà. Main Tower, on va prendre... Une tour comme ceci, ça me semble très bien. On peut prendre une Barbette Tower un peu plus petite, c'est pas grave. Double cheminée, ouais, Le problème, ça va être pour mettre les lance-torpilles, en fait. Donc, il faut absolument que je les mette en premier. Si je mets des 5 tubes. Il faut que je vois le calibre aussi, le déplacement, etc. Oh là 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 là. Alors, un instant. Si je suis dérangé, ça va pas le faire. Alors, déjà la vitesse, on va le mettre à... on a dit que c'était quoi du 36-4, hein. On va être à 36 nœuds. Ce qui est déjà pas mal. On pourrait le mettre plus haut, hein. Mais non. J'aime pas, en fait, essayer de dépasser la vitesse optimum qui est montrée, quoi. Ici, maximum optimal speed, 36-4. Voilà, mais on peut mettre plus haut, mais je vois pas l'intérêt. C'est pour ça. Donc on a eu un torpille. On va mettre... Oils. Turbine, on peut le mettre... On peut mettre ça, mais... Non, on va mettre léger turbine. Hydraulique. Anti-flotte 3. Bulkhead 2. Triple. Armure moderne. Ils vont coûter cher, mais je m'en fous, c'est pas ça le principal. Radar, oui. RDF. Acoustique, maximal. Range, c'est pas une question de portée. Donc ça va être du coïncidence. Depth charge de niveau 4. Mind sweeping de niveau 2.
Voilà, et il me faut la taille des torpilles. On a des torpilles de 24. C'est gros. C'est peut-être un peu trop gros. Si on met du 21. Si on met du 21 pouces, c'est déjà mieux. Mais par contre, les cheminées, ça manque toujours. Je peux pas la mettre au milieu comme ça. Il me faut une comme ceci. Et ils n'ont pas d'angle d'attaque. Donc là, j'ai un problème. Et pas un petit. Donc, dans ce cas-là... Attendez, parce qu'en fait, si ça tombe, c'est juste que c'est moi qui suis con. C'est moi que je suis con. Voilà, on est d'accord là. Donc, cheminée. Si je mets une fine... Les bords sont pas assez larges. Bim. 5% de plus. Vous êtes sérieux les gars? Vous êtes vraiment en train de me casser les couilles pour ça? Enfin, je peux être une comme ça. Hein. Ce qui fait dire que j'ai engine efficiency 128%, ça passe. Les angles de tir par contre sont dégueulasses, donc c'est pas ouf. Si je le mets comme ça, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, mais... Pourquoi il change de direction là? Voilà. Efficacité, motrice, etc. On est bon. 21 pouces, patati patata. Là on est ok. Maintenant, main gun. Est-ce qu'on met du 5 pouces ou du 4 pouces? C'est pas... Juste pour rire. Ah oui, on peut mettre des 2 pouces ici, bien ce qu'il me semblait. On va mettre du 4 pouces double. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un souci de pitch roll. Comme toujours, surtout le roll, en fait, le roll est absolument immonde. Alors, juste pour rire. Ça vous dit de mettre 15 lance-torpilles? Alors, attendez. Non, ça marchera pas. Faut pas abuser. Déjà, là, je suis presque en surpoids et ça va pas être ouf. Ça m'emmerde parce que là, le navire, clairement, il est pas équilibré. Il est plutôt mauvais. Je suis obligé d'avoir un truc comme ça à l'arrière, malheureusement. Voilà, ici à la place de celui-là, je pouvais mettre une plus grande. Une seule, ce qui fait que j'ai quand même une bonne puissance motrice, hein, ça va. Je peux avoir du 2 pouces ici, faut le faire. Et ici, j'ai, mais là c'est vraiment conçu, c'est juste je balance des torpilles et je me casse.
Donc voilà quoi, max HE, on va une triple base, TNT, 21 pouces, alors, torpille, comment, alors la range, alors si je mets une range de plus, de plus 50%, ça fait une range de 22 km, ce qui veut dire que je peux balancer à très très longue distance, et puis attendre le reload qui dure 1667 secondes. attendez. Si je mets la standard, 15-8, 1200, ok. Si je mets l'électrique... Bref. Ouais, non, allez, on va essayer des torpilles comme ça, un peu pour varier. J'ai un pitch roll vraiment immonde, c'est incroyable. Mais c'est un destroyer, donc je m'en fous un petit peu, parce que le but du destroyer, pour moi, ça sera toujours plus de faire du spot, détruire les petits transports, les petits destroyers adverses éventuellement, et surtout pouvoir balancer les torpilles ni vues ni connues, c'est le plus important. Par contre, je vais voir, c'est les chances, flooding, flash fire, 1,3%, ouais, ça passe. Main belt, on va la mettre à 0,6. Ouais, ça aide un peu. On va mettre à 0,8. Main deck, foredeck, afterdeck. Hop. Pas confondre avec After Effect. Les calibres des canons, etc. Le canon tire à combien? 10 km. C'est-à-dire qu'il servira vraiment que pour l'autodéfense. Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir une portée efficace aussi grande. Donc déjà, je gagne un peu de poids. Parce que là, j'en ai besoin un petit peu. Et quelle classe on va mettre? Voyons voir. Un nom qui soit sympa. La Seagull. J'ai pas vraiment d'idée. Je regarde, j'ai bien tout mis. Pour éviter de devoir refaire ça plus tard. Et augmentation du nombre de torpilles, peut-être. Non, ça ira comme ça. Celui-là est bon. On va en faire un autre. Là, on va s'attaquer à croiseur léger. J'aimerais bien en faire un spécial. Donc on a quoi? On a ça. Celui-là, 37,2 nœuds, c'est ça qu'il me faut. Classe Portland, pourquoi pas. 37,2. Quartier standard, on met la totale. J'aimerais bien essayer le gas turbine sur lui, peut-être. Mais ça coûte extrêmement cher. Est-ce que ça vaut le coup? Non, je pense pas. Donc on va rester sur des turbines comme ça. Balance, oil, shaft 4. Armure, anti-flood, bulkhead, citadelle. Je mets tout à fond, hein. C'est... Maintenant, là, j'en ai plus rien à foutre. Depth charge, on peut mettre des niveaux 2, 3. Ça peut être bien. J'ai 7500 tonnes max, donc il va falloir choisir judicieusement. Et ce qui va être encore plus judicieux, ça va être de bien positionner ce que je veux sur le navire, parce que vous allez voir la petite idée que j'ai en tête. Tourelle secondaire. Alors attendez, aiming speed. Ah oui, il y a une grosse différence là. D'ailleurs, vous allez voir, lance-torpille, tube, quintuple.
Il faut plus. Donc là, on va peut-être essayer quadruple plutôt. Là, je suis au maximum, je peux pas aller plus loin. Vous l'aurez compris, je veux faire un croiseur léger lance-torpille. Sonar RDF. Est-ce que j'ai besoin du long range uniquement? En fait, non, c'est gun long range, donc effectivement, je m'en fous. Je m'en fous. C'est les torpilles qui doivent réussir à toucher. Et comme ça, j'ai décidé d'y aller franco. Alors, standard propulsion à oxygène, ce qui fait que je tire depuis loin. Une salve latérale peut faire très mal, il me faut une secondaire. Tourelle secondaire, est-ce que je peux être une comme ça? Non, ça prend trop de place. Ce qui veut dire que je suis obligé de trouver quelque chose, et surtout le problème ça va être les cheminées, je pense. Ouais. Ouais, je vais avoir un souci. Donc là. Donc cheminée. Funnel. Pourquoi il veut pas là? Ok. Si ça veut pas, ça veut pas. Ah, c'est chiant, j'ai pas assez de place pour mettre ce que je veux. Donc, tourelle secondaire. Mettre ça comme ça. Alors attendez, juste histoire de voir si je fais un triple, un double, mais il faut qu'il dépasse un peu. Je vois pas l'intérêt. Donc on va mettre ça comme ça. Le poids est en surcharge, tu m'étonnes. Et le pitch weight est dégueulasse, donc en fait, ça n'ira pas, je pourrais pas faire ça de façon propre. Bon, on va prendre du 6 pouces. Tourelle double, ça me semble correct. Et le navire est en surcharge, voilà, je suis déjà en train de devenir gaga. J'ai 7500 tonnes, hein. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf, 7500 tonnes. Comment est-ce que je pourrais réussir à faire un truc qui soit correct? Ça va être dur, très dur. Peut-être le problème, ça va être les lance-torpilles qui pèsent très lourd, je pense. Donc on va d'abord essayer de faire un navire qui est équilibré. On va voir après si on peut réussir à faire en sorte que... Ouais, mais le poids il est déjà en surcharge, le navire. Là. Il est déjà en surcharge.
Bah, il soucie. Il va peut-être falloir changer de coque, du coup. 7500 tonnes. Attendez. Ouais, non. Même en faisant ça, ça risque d'être compliqué. Donc, on va devoir prendre un comme ça. On va prendre un comme ça et on va essayer de trouver une astuce. On va peut-être pas faire 36 000 navires, du coup. On va vraiment essayer de se focus sur 2, 3. Cette coque-là, je peux faire du 37? 36,4, donc on va le passer à 36,4. Et la range, on va la mettre comme ça. Par contre, il me faut de nouveau remettre tout ça. Ouais, et ça fait monter le poids de façon assez conséquente. Alors ça là, on peut mettre le niveau 2, je pense, quand même, histoire d'alléger ça. Cheminée. Je peux mettre deux grosses, ou une grosse et une plus petite. Voilà, il va falloir des canons principaux. Main gun, on va prendre du 6 pouces. Peut-être prendre du triple, par contre, histoire de dire, hein. On a quand même hein, pour jouer, hein. Voilà. Est-ce que je peux réussir à... Ah, c'est vraiment mettre comme ça. Donc là, ça on peut le mettre. Barbette, on va être niveau 3. J'ai pas besoin de barbette max. Par contre, il me faut la triple base, le TNT. Incendiaire maximum, c'est bon. Alors, on peut peut-être mettre quelques secondaires. Casemate, il n'y en a pas, mais secondaire des 3 pouces, on peut peut-être mettre... voilà. Au moins, c'est bien. Maintenant, va falloir essayer de caser ça. C'est ça le plus dur. Pas ouf. Est-ce que je peux essayer d'un peu augmenter? En fait, j'aimerais bien pouvoir en mettre ici vers l'avant, mais apparemment c'est niette. Peut-être supprimer ça. Hein. Ce navire est débile. Je suis vraiment en train de faire un navire à la con comme ça, moi. Je vous prierai bien de m'excuser, cet excès de zèle. Donc, je suis vraiment en train de faire un navire de merde. En fait, ce qui me dérange là, par contre, c'est que... C'est pas le pitch roll, parce que le pitch roll, pour les canons, c'est clairement pas ce qui va importer. C'est la taille des torpilles, parce que si je mets... Voilà. Partie mal placée. Je peux pas mettre des 24, si je mets des 22. Des 21. Ouais, non, voilà. Voilà. Voilà le problème. J'essaye les 24. Bon, déjà, je suis pas en surpoids. Donc ça, ça me va. Torpille à oxygène. Alors, celles-ci sont OK. Donc là... Il va falloir trouver une astuce.
Je mets le bim à 10%. Ouais, en fait, je peux pas mettre des torpilles trop grosses. Ah, je pense que du 22, par contre, ça sera bien. Regardez, hop, hop. Hop. Voilà. Oh putain. Attends, ça veut dire qu'il y aura combien de torpilles sur la tronche, le mec? 15 par flanc. 15. Et pas mal de mettre des plus grosses. Non, c'est bel et bien les 3 qui sont les meilleurs. Est-ce que je pourrais en rajouter? J'adorerais pouvoir en rajouter devant, ça me ferait trop triper. Oh my god. Bon. On va considérer que ça va, c'est putain 23 km de portée. Quoi. 23 km de portée. Le machin... C'est un navire débile, hein. C'est un navire proto, donc je pense que je ferai que 2 exemplaires, on verra si ça ira en bataille, mais... C'est... Le navire est débile, hein, en soi, qu'on soit bien d'accord. Oups. Voilà. Qu'on soit bien d'accord, hein. Ce concept est débile. Il y a aucune chance que ça puisse fonctionner. Je suis désolé, hein, mais... Alors, regardez ça. Le truc, il est complètement con. Alors, ça c'est bon, je vérifie ce qui reste ici en dessous, blindage et compagnie, est-ce que je peux... Ouais, je peux peut-être quand même essayer gagner un peu de poids, surtout pour ça, afterbelt on va un peu... Afterdeck aussi, et le main deck pourquoi pas le mettre à 8. Ouais, je serai toujours dans l'orange, mais c'est... Il est fait pour les torpilles. D'ailleurs, l'orange, est-ce que ça... Attendez, le roll... Voilà, j'ai des malus de visée, on est d'accord. Portée opérationnelle, cruising speed, etc. J'ai des malus. Mais je m'en fous un peu, c'est vraiment un truc expérimental, ça. La Sportland, non, on va la classe Philadelphia. Bon, maintenant on va s'attaquer. Je vais mettre trop de temps, donc je pense que je vais juste faire un nouveau type de croiseur lourd multiservice. Alors on a les Super Heavy Cruiser et les modernes. 29, 31 nœuds, 32. Vous voyez, en fait, les croiseurs lourds, on sait pas faire des trucs très rapides. Par contre, un croiseur de bataille... ...37 000 tonnes, large cruiser, jusqu'à 33,5 nœuds. Voilà. Et celui-là, pourquoi pas essayer les gastures... Non, c'est trop, il est trop gros, ça sert à rien. Il est beaucoup trop gros. L'anti-torp, on va aller trop 4. Comme ça, on gagne quand même quelques tonnes. Parce que j'ai pas besoin de... Classe Ohio, ça me va. Tourelle. Donc là, on va faire un croiseur de bataille. Qu'on soit bien d'accord, hein. Cheminée. On va mettre une barbette standard. Medium, ça devrait suffire. Et on va voir ce qu'on a en canon. On peut être jusqu'à du 15 pouces quand même. Alors, le 13 pouces, c'est celui qui est le plus efficace encore. En termes de visée, le 15 pouces, c'est pas dégueu. Alors, c'est un croiseur de bataille, donc est-ce que ça vaut le coup que je mette du 15 pouces lourd comme ça, ou est-ce que je peux passer sur du 14 pouces plutôt?
me semble plus adapté. Ouais, du 14 pouces. Voilà, et vous voyez, voilà, ici, par rapport au tuto que j'avais... Enfin, tuto entre guillemets que j'avais fait, voilà, vous voyez, là, tout est au bleu, tout est bon. Donc, techniquement, je suis bien posé. En secondaire, qu'est-ce qu'on peut mettre? Il y a du 8 pouces. Est-ce qu'on peut mettre du 8 pouces? Non. C'est le 8 pouces, on peut le mettre que là. C'est normal, c'est très gros. Le 6 pouces, ça va être compliqué aussi. C'est à partir du 5 pouces qu'on va pouvoir s'amuser. Voilà. Pourquoi ils sont mal placés, ceux-là? Je sais pas. Ensuite, on a le 4 pouces. Ouais, d'accord, c'est la tourelle, sont les tourelles en dessous qui les gênent. On a le 4 pouces. Est-ce qu'on peut mettre du 4 pouces quelque part? Pas vraiment. On a du 3 pouces. Ils sont mal placés, mais ils m'emmerdent! Et on a le 2 pouces. Voilà, le 2 pouces, bizarrement, il n'y aura aucun souci. On se le dise. Ouais, par contre, les mecs, s'ils approchent, ça va être. Ça va être la samba, quoi. Ça va être la samba. Et si je le mets là, il me semble que... Ah non, ça le bloque pas. Donc c'est bon. Donc là, on est bon. Barbette, on va mettre des barbettes 4, hein, histoire de pas être trop lourd. HE, on va mettre augmenté. Incendiaire, semi-AP. On pourrait essayer des tailles, par contre, cette fois. Donc celle-ci... Ouais, mais voilà, c'est ça, ce sont les malus dessus qui finissent par me gonfler. Que je trouve un peu chiant, donc non. TNT, reload. On va essayer d'en faire un truc ultra moderne. Sauf que je suis déjà en surpoids. Aussi, quand il y a sonar 2, hein, j'ai pas besoin vraiment de beaucoup plus. Je suis déjà en surcharge. Donc peut-être qu'on peut le mettre en semi-auto plutôt. Ouais non, on va le mettre à Nens alors. Ah non, je vais le garder. Ah oui, j'étais vraiment si proche que ça en fait. Oh. Et si je prends semi-balistique. Voilà. Voilà, je vais être obligé de le jouer comme ça. Alors bon. Il y a un creux là, c'est un peu con. Attendez. Est-ce que je peux réussir à... Ça te permettrait de réduire le pitch, hein, éventuellement, si je fais ça. Regardez. Ouais, non. Ok, je suis en train de faire des conneries. Donc là, il faut que je reprenne. J'avais pas vu que le truc là était parti un peu en sucette. Donc ces deux-là, on peut les retirer. Ça, ils sont bons, donc on va remettre ceux-ci. Ceci, on va en remettre là, là, là. On va même en mettre là si je veux, tiens. Tant qu'à faire.
7-7. C'est peut-être par rapport à l'avant que j'aurais essayé de jouer un peu aussi. Attendez. Si je fais ça. Voilà, j'ai légèrement reculé. Faut trouver une solution hein, dans ces cas-là, de toute façon, faut y aller. Mais par contre, je suis obligé vraiment de garder cette tourelle plus à l'arrière. Mais j'ai gagné du tonnage, j'ai l'impression. C'est pas normal ça. Je regarde tout hein, pour être sûr de ne rien avoir oublié. J'ai gagné en tonnage. Ouais. Alors regardez si je mets ça là. Mais là il me dit rien. Là il me dit rien et il dit que c'est bon. Et si je le bouge, il va me le foutre en l'air. Donc on va laisser ça comme ça. Efficacité des machines réduite malheureusement. Ah bah oui, pour ça. Voilà, et je suis bon en tonnage. Alors. Ce que je vais juste regarder, c'est la portée. 8 km 2, 13, 7, 28, 4, 24, elle est. Les 2 pouces. Bah, je regarde bien le tonnage en fait en faisant ça. 10 km 2, 13 km 7, ouais allez, on va essayer, on va garder ce truc là comme ça. On va essayer. De toute façon ce sera un petit tirage, hein. Il y aura peu d'exemplaires. Surtout vu le temps que ça va mettre à être conçu, combien de mois? 2 ans. Pff, ouais, quand même. Et il me faut donc un croiseur lourd. Il me faut de toute façon un croiseur lourd. Cuirassé, je m'en fous, j'ai les Iowa et compagnie, donc c'est bon. Je pourrais faire encore plus gros, hein, un super battleship. Mais on va... Attendez, je regarde le timer. Le timer, j'ai dit. Allez, on va se faire un croiseur lourd et un super cuirassé. On va faire un super cuirassé. Pour voir ce qu'on peut mettre au max. Vraiment, pas le max de la technologie, parce que j'ai encore 2-3 trucs à découvrir, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, Heavy Cruiser. Heavy Cruiser. On va prendre celui-là. Classe Salem. Non, on va mettre classe... classe Chicago. Voilà. 32 nœuds. Portée efficace. Hop. 32 nœuds. Auxiliaire. Lui, on pourrait lui mettre gaz turbine pour faire un essai, tiens. On va mettre gaz turbine pour faire un essai. Et lui, on va lui mettre l'armement ultra lourd. On va voir pour lui mettre vraiment... Attendez, c'est un croiseur lourd, un croiseur léger que j'ai pris. Non, c'est un super heavy, On va peut-être l'élargir un chouïa. Hein. Je suis désolé, mais il me semble tellement maigrichon. Alors, main gun, je peux avoir du 11 pouces max. Non, juste histoire de rire. Pourquoi au-dessus, je peux pas en mettre?
Là au-dessus, je peux pas en mettre, je suis obligé de mettre en dessous. Et à l'arrière, je peux pas. C'est... Mais c'est de la merde en fait, ces trucs, c'est de la pite. Passez-moi l'expression. On prend des 9 pouces alors. Là, 9 pouces, si vous me dites que c'est pas. Tu sais quoi? J'ai dit qu'on allait faire la max. Vous allez voir de quel bol je me chauffe. On va être barbette 4 pour pas abuser non plus. Standard ratio, semi-balistique, high capacity, hop, hop, le radar, le RDF, l'acoustique 2, stéréoscopique max, reload semi-auto, tourelle électrique 2, cheminée, double cheminée. Canon secondaire, 5 pouces, triple canon, hop, 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 voilà, déjà ça. Ah mais non, non, mais si vous voulez jouer au plus con, ne vous inquiétez pas, hein, c'est le jeu il va pas gagner. Quelques canons à un secteur de tir faible. À lesquels? Ah, hein. Si je prends des 2 pouces, on va prendre des 3 pouces. Est-ce que je peux mettre des lance-torpilles? 5, non. 2, oui, mais je vois pas l'intérêt, je veux juste en... Celui-ci, je veux en faire un fait pour les canons. Ça c'est une canonnière, rien à foutre. Portée augmentée de 5% les canons. Alors normalement c'est plus les tourelles secondaires, les canons secondaires qui doivent avoir un canon plus long. En général les tourelles principales, on a plus tendance à les garder à taille, enfin longueur de canon standard. Mais pour le coup ici, j'emmerde les conventions. Parce que le jeu se fout de ma gueule. Va être des 2 pouces. Les 2 pouces sont là. Alors si j'augmente eux de 10% et tire à 11 km 6, c'est beaucoup, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce machin là, ça va juste être fait pour pilonner. Je veux démolir ce qu'il y a en face à 30 km de portée avec les canons principaux. Moins d'une minute de reload, c'est très bien. La range efficace, on la diminue. 24 674 km, c'est énorme. C'est beaucoup trop même, j'ai envie de dire. Est-ce que je vais être encore plus connard? Oui, je vais encore ajouter des tourelles. Parce que pourquoi pas? Parce qu'on peut, et parce que j'ai l'impression de faire une tirade à Demolition Man. Parce que je pense, parce que je veux me taper un steak bien saignant, parce que je veux me balader à poil enduit de ketchup dans la rue, parce que je veux lire un magazine de Playboy devant tout le monde, etc. Bref, je pars en cacahuète, mais tout va bien. Non, je suis juste un peu... C'est juste que le jeu là me prend un peu le chou parce que j'aurais aimé pouvoir faire des trucs propres et c'est pas ouf. Les tourelles sont moches, je suis d'accord. Hein. Mais au moins c'est fait. La classe Chicago, donc là tout a l'air bon. On va peut-être augmenter juste Main Belt. Est-ce que je peux la mettre à 6? Oui. Là. Et on va le sauvegarder comme ceci. Bien. Et maintenant, on va juste faire le gros délire. Le gros délire.
un seul exemplaire existera. Ça, j'en ferai qu'un. L'Iowa est à 90 000 tonnes. Ici, on va passer les 100 000. On va y aller. Classe Utah, non. On va faire la classe Washington. Vitesse max jusqu'à 33 nœuds. On va le mettre à 30 nœuds. Quartier standard, la portée, on verra. Auxiliaire. Alors, machine, on va mettre les diesel. Je pense que ça, très bien. Électro-hydro, on va vraiment mettre la max. Le machin sera censé être le pinacle des tentatives de la flotte. J'ai déjà 87 000 tonnes. Donc je sais même pas si je pourrais réussir à faire le navire comme je le veux. Ça va être compliqué, je vous le dis déjà. Méga cheminée. On va en mettre deux. Canons principaux, on va y aller avec ce qu'il y a de plus gros. Même s'ils sont super moches. Il y en a pas qui sont... Bah, il y a le 18 pouces qui en fait c'est... Ça c'est la taille du... c'est le calibre du Yamato. Portée de 25 km. Attendez, juste pour rigoler. Donc 30 km 2, 27, 28, 22 D, 29, 9, 20... Il y a vraiment des différences, hein, c'est fou. Je pourrais mettre du 9 pouces juste pour rigoler. Hein. Attendez, 9 pouces, juste pour rire. C'est tout petit, c'est tout petit. Ah, je pourrais, il faut essayer, ça tient un cuirassé bien ultra lourd, mais avec... Alors, on va voir, est-ce que je peux réussir à avoir un navire? Ouais, non, je pourrais pas mettre plus de tours. Je peux mettre du 20 pouces, mais je vais être assez limité, en fait, quand même. Voilà, par exemple, 20 pouces, barbette maximale. On va voir, je vais atteindre le poids max. Je vais atteindre la taille et le poids max, en fait. C'est pas possible, je peux pas. Voilà, surcharge. Juste pour rigoler. Semi-ballistique. Avec capacity. Le pitch est dégueulasse. On va donc devoir se rabattre sur des canons plus petits. Ça peut être le 18 pouces. Hein. Et je suis en surcharge. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Attendez, la différence de poids. Elle est quand même là, la différence de poids. Voilà, mais j'ai grandi très pute. Ah, ma marge de manœuvre, elle est ridicule. Est-ce que je peux mettre du 8 pouces? Je vais mettre du 8 pouces comme ça. 5 pouces. Et je suis en surcharge. Donc en fait, je vais vraiment devoir... Là, il faut que je sois sûr de mon coup. Là, je peux pas me permettre de faire le con, en fait. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est compliqué de faire un super cuirassé du coup. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, c'est du 18 pouces, c'est que des tourelles doubles, certes, mais du coup je gagne du poids. Et surtout je gagne en taux de reload. Je gagne en reload, hein, parce que attendez, si je regarde.
18 pouces, hein. Donc c'est le calibre du Yamato, donc c'est pas non plus dégueulasse. J'ai le meilleur, visée, déjà. Je gagne quelques secondes. Mon rate of fire est meilleur. Ah, ça va, quoi, c'est pas honteux au point de... C'est pas non plus... c'est pas la honte totale. Bon, est-ce qu'on peut en mettre encore 2-3 autres, des petites tourelles? Je suis vraiment en train de bourrer de tourelles miniatures. Je suis vraiment en train de faire ça. Je suis vraiment en train de faire un navire qui a assez de secondaire pour que je vomisse, quoi. Voilà, il est en surcharge. En même temps, c'est un peu normal, il y a un peu beaucoup. Tire à 10 km, tire à 15, tire à 33. Vous remarquerez que le 2 pouces... Voilà, on peut en mettre là. Et je suis en surcharge de 28 tonnes. Peut-être que j'ai un peu abusé sur certains. Donc on va tirer combien cela? 8 km 2. Donc on va dire qu'on va retirer ceci. Et cela, par exemple. Ah bah voilà! Tout va bien! Alors, la main belt... Oh la vache! Ouais, non, j'ai pas de marge de manœuvre du tout, donc on va peut-être juste essayer... Ah 8 km4, c'est ouf, non. J'aimerais bien pouvoir tirer avec ces petits-là aussi vers les 10 km. 11 km, c'est bon. Je suis pas encore en surcharge, c'est parfait. 11 km 2. Bon, le reload 3,6. 3,5, donc ceux-là sont plutôt équilibrés. 7,4, ça me va. Ok. Tchic. Ah, ouais, d'accord. Ouais, non. C'est ça, juste pour rire. Ouais, non. Armure de la citadelle. Je peux l'augmenter d'un point sur le Inner Zek. Mais je vois pas l'intérêt, donc le second Inner Belt, plutôt. Oui, ça c'est bien. Le fort deck, est-ce que je peux? Non. Le blindage pèse vraiment ultra lourd chez ce machin-là. On a une portée de 23 046 km d'efficacité. Ok, j'ai 108 999 tonnes. Bah en fait, c'est bon. C'est bon, voilà. Donc, j'avais pas fait de super cuirassé. Enfin, on peut considérer que le Iowa était un super cuirassé, mais... Voilà, ça c'est le bébé, c'est LE super cuirassé. On verra ce qu'on peut en tirer. S'il y a des... Oh, il coûte 1 milliard. Oh, il coûte 1 milliard. 1 milliard. L'armement il est dingue par contre, parce que les calibres 18, bon, 3 tourelles doubles de 18 pouces, c'est pas mal, hein. Ça fait très mal. 10 tourelles doubles de 6 pouces, 22 tourelles doubles de 3 pouces. Le machin, il a 44 canons de 3 pouces en tout et pour tout. S'il veut défoncer un croiseur léger qui vient ou un destroyer, le 3 pouces, ça fait faire... C'est une gatling, le truc. Mais notez, les 3 pouces, 2 pouces, en fait, tout ce qui est 3 pouces est en dessous.
et ça se voit au design, c'est plus des canons DCA qu'autre chose. Ça se voit, c'était plus des canons utilisés pour la flaque. Contrairement aux canons de tourelles qui, eux... Bon, je dis pas que ça peut pas être utilisé pour la DCA aussi, mais vu le calibre, c'est clairement plus fait pour avoir des tirs, tirs rapides sur petite cible. La citadelle est pas très grande. J'ai réussi quand même à optimiser. Voilà, là on a une utilisation pas dégueulasse de l'espace. J'ai vraiment concentré sur une portion, principalement, de la coque. Ce qui veut dire qu'en fait, ça c'est un cuirassé. Le principe du cuirassé, c'était quand même de concentrer un maximum de trucs au même endroit pour offrir la plus petite cible possible pour l'adversaire. Là, quand vous regardez, en fait, techniquement, le blindage avant et arrière, je pourrais le diminuer et faire un blindage central ultra lourd. Mais en ce cas, je vais me faire percer comme un grouillard par là, c'est pas spécialement une bonne chose. Et ben voilà, ben il est beau. Combien de temps? Plus de 3 ans et demi. Enfin, 3... Non, 3 ans et demi, grosso modo. Ouais, d'accord. Ah non, 3 ans, qu'est-ce que je raconte moi ? 3 ans, ça ferait 36. Ouais, 3 ans et 4 mois, quoi. C'est si, presque 3 ans et demi. Pour sortir ce truc. On est en 39. Donc il sortira en 1900. Ben, on va devoir compter presque 1943. Vu qu'il y a le temps aussi qu'il doit. Ou à partir du moment où il est opérationnel. Après avoir passé un certain temps en sortant des calcèges et, j'allais dire d'usine, non, du chantier naval. Il va mettre 40 mois pour le chantier naval, plus X mois pour être mis en opérationnel, donc peut-être 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc vous comptez en 43, il sera là, grosso modo. C'est-à-dire vraiment pour la toute fin. Donc on verra. J'essaierai quand même de le mettre, s'il y a toujours les grosses tensions à un endroit, je le prendrai, je le mettrai là. Je veux essayer de le voir en bataille, je garantis rien. Et voilà. Le pitch est un peu gênant, mais en soi, il est pas moche, hein, il est pas mal. C'est con, parce que mettre d'autres petits canons ici, des petits calibres, ça aurait été chouette, mais il faut que je prenne l'heure. À mon avis, il faut que je prenne du 16 pouces. Parce que le 16 pouces fait que j'ai moins de poids forcément, mais là j'avais envie d'un gros calibre, des gros canons. Gros canons. Bon, allez, je vais donc les construire, et on verra, advienne que pourra. C'est là-dessus qu'on va se quitter, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.